Du poulet maltraité dans nos assiettes, L214 poursuit sa croisade contre Domino's Pizza. L'association de défense du bien-être animal accuse la chaîne de restauration rapide d'utiliser des volailles issues de l'élevage intensif. Des militants se sont rassemblés pour une action coup de poing tout à l'heure à Toulouse, devant une pizzeria de la Grande Rue Saint-Michel. On vient de dénoncer les élevages de poulets de batterie, qui sont la norme en France pour la viande de poulet. Des animaux entassés jusqu'à 22 par mètre carré et qui ne voient pas la lumière du jour, qui souffrent de très nombreuses pathologies qui sont utilisées par la majorité des firmes et des entreprises. Et Domino fait partie des entreprises qui refusent de s'engager. Donc on est là devant l'enseigne avec des visuels sur les conditions d'élevage des poulets et d'abattage. On voit des animaux qui n'arrivent même plus à marcher. On voit des poulets égorgés à la chaîne dans les salles d'abattage qui ont la tête dirigé vers un bain électrifiant et parfois les pattes qui se cassent avant qu'ils soient étourdis. Le mot est bien gentil. Et on distribue des tracts aux passants pour les en informer puisque l'enseigne se vante aussi d'avoir des produits de qualité. Voilà des propos recueillis par Patrick Hisson à Toulouse pour RTL.